Bédière Mathéo. Alors Mathéo obtient 3 badges, le badge citoyen, le badge sentinelle et le badge solidaire. Le projet Open Badge est né d'abord d'une rencontre à Canopée. J'ai découvert le principe des Open Badge au cours d'une rencontre avec des universités, la commune notamment. L'établissement souhaitait par ailleurs valoriser les compétences transversales et avait notamment dans son projet de CESC une valorisation et une reconnaissance des compétences dites transversales. Le projet Open Badge permet justement d'ajouter une plus-value, une valeur ajoutée en fait, à notre pratique pédagogique. Tout simplement, depuis la réforme du collège, on est passé sur le tout compétences, ce qui nous permet même avec ce projet d'aller plus loin vers des compétences dites du 21e siècle, de savoir-être et de savoir-faire. Donc un jury a été constitué avec des adultes volontaires pour qu'on se mette d'accord sur les compétences qu'on souhaitait évaluer et aussi pour définir en fait l'appellation de nos badges. Donc on a défini en tout 9 badges. Nous avons proposé à toute la communauté éducative, donc élèves et adultes, de proposer des candidatures. L'année prochaine, nous envisageons d'inclure des élèves badgés parmi les membres du jury. Pour être badgé Sentinelle, il faut avoir suivi la formation Sentinelle, donc c'est la formation de lutte contre le harcèlement scolaire, et être actif aussi dans le dispositif au sein de l'établissement. J'ai reçu 4 badges. J'ai reçu le badge de citoyen, parce que je fais partie des différentes instances de l'établissement. Je suis déléguée au CVC, au conseil d'administration. J'ai reçu également le badge de Sentinelle. De l'entourer, de montrer que vous êtes là. Et que vous vous opposez justement entre elle et son harceleur. Oui, elle vient souvent nous parler, on discute beaucoup avec elle. Et d'accord. Puis aussi on discute souvent, enfin pas qu'avec elle, on discute avec les deux. On discute aussi avec l'harceleur, mais ça n'a pas l'air de faire grand effet pour l'instant. D'accord. Donc nous, de notre côté, il va falloir qu'on se note. Ouais. J'ai reçu aussi le badge de solidaire et le badge de médiateur. C'est des badges qui vont un petit peu ensemble. Des agents aussi de l'établissement ont été badgés, donc plutôt pour leur action donc en tant qu'éco-citoyen, parce qu'il y a vraiment un effort au niveau du tri des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le bac ici présent, il va servir donc tout ce qui est le tri, donc des objets en plastique. Alors dans le bac orange, on va pouvoir mettre tout ce qui est déchets organiques. Dans les poubelles vertes, on met des serviettes, des épluchures de fruits, donc kiwi et pamplemousse. Alors les badges virtuels en fait arrivent une fois validés par le jury dans une plateforme en ligne, l'Open Badge Factory Passport, qui permet du coup à l'élève de disposer librement de son ou de ses badges et de transformer, puisque ce qu'il faut comprendre c'est que les badges c'est plus qu'un certificat numérique en fait, c'est un outil de communication. À partir de son compte, une fois créé gratuitement, il en dispose comme il veut toute sa vie, pour communiquer, les diffuser sur les réseaux sociaux, mais éventuellement, il a la possibilité d'éditer un CV qui lui permettra de postuler pour un stage ou un travail, pourquoi pas. J'ai reçu les badges donc Sentinelle, Citoyen, Solidaire et Médiateur. Si tu fais, touche pas au ballon, il va être contaminé après, ferme-la. D'accord. Après... Est-ce que tu as dit ça, Léo ? Oui, j'ai dit ça. Mais pourquoi tu as dit ça ? Faut pas dire ça. Bah parce qu'il a lancé le ballon là-bas. Mais ça sert à rien, c'est un ballon, faut pas s'énerver pour ça. Bah ouais. Vous arrivez pas à jouer ensemble, vous deux ? Non. Non ? Mais pour jouer pas ensemble dans ces cas-là ? Faut pas jouer ensemble. Il a lancé le ballon là-bas. Bah oui, bah maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller chercher le ballon. Ouais. Toi, tu vas aller jouer avec les troisièmes ou avec nous. Tu veux qu'on aille jouer au ballon ensemble si tu veux. Pour moi, l'obtention du badge de Carla, ça a été une reconnaissance de son investissement au sein du collège. Depuis qu'elle est en sixième, elle est toujours très active dans plein de choses. Et du coup, là, ça a vraiment valorisé son investissement au sein de tout ce que peut proposer le collège. Lors de la présentation du projet au conseil de vie collégienne au mois de mars, les élèves se sont tout de suite montrés très enthousiastes. Ils ont même proposé de recevoir un badge physique. Donc j'ai obtenu l'Open Badge Expert Numérique, j'ai obtenu l'Open Badge Éco-Citoyen et l'Open Badge Créatif. Donc les Open Badges que j'ai obtenus, celui-ci d'Expert Numérique, donc après la création d'un badge physique, donc celui-ci, donc que j'ai fait à l'aide d'un logiciel donc pour le collège. Donc je pourrais réutiliser ces Open Badges, par exemple dans mon CV, à des entreprises, ça pourrait me donner un avantage donc par rapport aux qualités que j'ai donc sur cette entreprise. Donc par exemple s'il s'agit d'art visuel,
l'entreprise sait que j'ai eu un open badge en expert numérique et créatif. Et du coup, ça permet pour les bons élèves, parfois oubliés, d'être motivés par cette valorisation. Et les élèves en situation plutôt de décrochage, c'est un moyen aussi de les mobiliser et de les remotiver. Pour moi, les open badges, ça a motivé les élèves à aller plus de l'avant, à faire des efforts dans la vie de l'établissement, du collège. On se fait remarquer justement par de bonnes actions, on peut être récompensé et ça peut permettre à beaucoup de gens justement d'aller de l'avant et puis de faire plus de s'investir encore plus dans l'établissement. C'est pas juste des paroles, mais c'est aussi quelque chose qui va nous suivre dans notre scolarité.